Il y a 3 ans, jour pour jour, le Dim Sport, sport de dimanche, a été mis sur pied par coach Kimi First. Par cette pratique, l'initiateur a amené les travailleurs et les jeunes de Boaké à pratiquer le sport tous les week-ends. Car selon lui, cela aide à mieux reprendre le service en début de semaine. Chaque dimanche, à partir de 6h30, le boulevard du carnaval de Boaké connaît une ambiance particulière. Il abrite les séances sportives dirigées par les coachs éducateurs sportifs. Après un long trajet du boulevard de carnaval, au marché de l'Air France 2, en passant par la mosquée de la rue 27, prolongeant vers la promenade, passant devant le centre culturel La Jacaca, avant de revenir au boulevard du Carnaval, les sportifs ont célébré la 3e année d'existence du mouvement sportif autour de 3 gâteaux accompagnés de chants ce dimanche 6 novembre. Les participants, les coachs, le staff donnent ici leur impression sur ces nombreux jours de sport. Donc on aimerait inviter les autres à venir se joindre à nous, pour prendre des quêtes, pour prendre d'amitié, pour prendre de fraternité. Il y a la quête ici, on s'amuse, quand il y a des cérémonies, chacun va là-bas. Ça fait maintenant 3 ans qu'on existe. Ça fait 3 ans que je suis au Dim Sport. Je dis, avant Dim Sport et les gens qui vivent, moi je n'avais jamais imaginé que le sport était possible pour moi. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis au milieu de ma forme. Ça fait 3 ans que je me suis fait une famille. Ça fait 3 ans que j'ai une équipe. Donc, félicitations à ceux qui ont créé. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes très, très, très heureux et heureuses par notre activité sportive. Le Dim Sport a 3 ans aujourd'hui. Et puis, bon, depuis lors, nous avons constaté ceci. Les patrouilles étaient la cohésion sociale, l'harmonie parfaite. Il n'y a jamais de discours entre nous. On est toujours joyeuse, quoi. Joyeuse anniversaire, Dim Sport. Bon, aujourd'hui, nous sommes très heureux de fêter la fin de plus de Dim Sport avec toute la famille ici rassemblée. On a les présidents, on a tout le staff. Je crois que c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas Dim Sport, on vous invite à Dim Sport parce que le sport, c'est la santé. Le sport, c'est primordial. 3 ans de Dim Sport et je tiens à remercier tous les participateurs. Grâce à eux, leurs prières, leurs bénédictions et tout, aujourd'hui, nous avons atteint les 3 ans de Dim Sport. Donc, vraiment, merci beaucoup à toute la grande famille. Je souhaiterais qu'un jour, on puisse voir le ministre Amadou Koulé parmi nous en train de courir une journée de dimanche avec sa population. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour qui marque les 3 ans de Dim Sport. Et je souhaite plusieurs années à Dim Sport. Tout ce beau monde qu'on voit, qui est motivé, qui se donne à fond pour venir ici chaque dimanche. C'est pas facile, hein. Voilà quoi, mais vraiment je les félicite. C'est une initiative très, très, à saluer quoi. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est un sentiment de joie, un sentiment de gaieté qui nous anime aujourd'hui. Parce que nous vivons aujourd'hui l'anniversaire du Dim Sport. Dim Sport fête son 3e anniversaire aujourd'hui. Mais il faut dire que Dim Sport, Dim Sport a été commencé d'abord au niveau de Boaké. Eux, ça a pris aujourd'hui de façon nationale. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire parle du Dim Sport. Ben, il faut dire que hormis le sport, Dim Sport aussi fait des actes de solidarité. Pour les spectateurs, ces séances sont des puissants vecteurs pour le raffermissement de liens de fraternité, un facteur de rassemblement et de cohésion sociale.